5 millions c'est quoi? C'est seulement l'argent pour acheter le piqueur. Elle est d'abord pure comme le titangui. Elle a la saveur du cube magie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le général Franco. Vous savez, quand quelque chose nous trouve sur Facebook, on a le devoir, on a même l'obligation d'enquêter et d'entrer même en profondeur, de fouiller jusqu'à comprendre. Ah bon? Oui, oui. Il y a une nouvelle influenceuse, actuellement en moins de 2 semaines, qui dame le pion. Ou super influenceuse, les Muriel Blanche, les Poupi, les Coco Emilia, les ceci, cela. Mon frère, ça part, c'est la magie. Ah bon? Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui me choque beaucoup dans cette histoire? C'est que depuis hier que j'ai posté la vidéo parlant de cette dame, mon IB est grave. J'ouvre mon téléphone ce matin, je dis plus de 100 messages. Les gens me supplient, jusqu'à me proposer même un pourcentage. Franco, pardon, donne-moi le numéro de la croqueuse du diamant. Si, je te promets, Franco, au nom de Dieu, si elle réussit, j'ai réussi à la convaincre, elle me fait le dépôt, même c'est 500 000, même c'est 200 000, je te donne 40%, je te donne 30%. J'ai dit, tara. J'ai dit, allez lire même les messages. Tu as oublié de poser son numéro de téléphone, Franco. On ne veut pas savoir où ça vient. Nous, on veut seulement l'argent. Nous, on voit l'argent. Nous, on veut seulement l'argent. J'espère que ce n'est pas la blague. Mais ça peut pas être une blague. Je dis que j'ai reçu des tonnes. Mais j'ai reçu des messages. Si tu lis les messages, là, tu vas couler les larmes. Si tu comprends que notre jeunesse est foutue. Prête à tout. Prête à tout pour avoir l'argent. Donc tout ça, pour ça. Nous avons un peu commencé à mener un peu les enquêtes parce que la façon dont elle partage l'argent nous inquiète. Avant de vous dire ce qu'elle fait réellement dans la vie, j'ai été surpris de voir que sur sa page, elle a créé sa page le 28 février. Nous sommes le 14 mars. Donc, presque 2 semaines seulement. Mais elle a déjà plus de 145 000 abonnés. Oh, nous, on est même là comme ça, là, mon frère. Depuis, c'est 3 ans. Atteindre 100 000 abonnés, même, c'est le problème. Elle croque vraiment le diamant. La dame là est vraiment d'une étoile que moi-même, j'ai dit que. Moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Tchaï! Non, maman. Tu croques vraiment le diamant. Voilà. J'ai commencé à applaudir quand j'ai vu certaines informations. Elle-même, elle a posté qu'elle est fondatrice d'une école, d'un complexe primaire. Elle a présenté ses élèves. Elle a présenté également ses maîtresses. Elle était entourée de ses maîtresses et tout. Quand je voulais déjà applaudir, puisqu'on annonce qu'elle a encore plusieurs entreprises à Yaoundé et à Douala, j'ai dit waouh! Oh, voilà ce qu'on voulait connaître. D'où vient cet argent? Et partager comme ça. Quand je voulais déjà applaudir. Pause publicitaire! RCEDA est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initiée par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Maroua. Promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile, contactez la société RCEDA. RCEDA assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon? Oui. La société RCEDA est située à Yaoundé, quartier Ekié, immeuble Melo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Ok. Quand je voulais déjà applaudir, boum, j'ouvre les yeux comme ça. Vous savez ce que je vois? L'âge. 22 ans. Aïe!
Hey! Quoi? N'importe quoi! Il dit, hey, 22 ans, je vois d'abord le gabarit, je vois le corps. Il dit, hey, la gassie a 22 ans seulement. Supposons qu'elle a 22 ans. Ma, tu as étudié à quel âge? Même si tu as 25 ans, tu as étudié à quel âge? Chercher l'argent. Bon, si on nous dit que tu es héritière, comme tu as commencé à poster, ben ça, on appelle ça la pression. Tu as commencé à nous montrer d'où vient ton argent. Donc, quand tu as commencé à nous montrer l'école, tu vas nous montrer le reste. Parce qu'on va tout te mettre la pression. Tu vas nous dire où vient cet argent. Tu ne peux pas te lever un matin, tu commences à partager l'argent. Tu peux pas faire les dons ici. Tu, comme vous voyez en image, là, voilà encore les dons qu'elle a fait tout récemment. Elle ne fait que partager. Belle d'abord comme Marine Gombe, c'est pas le jassi que l'on peut tromper. Elle a d'abord la beauté de Rihanna et le charisme de Beyoncé. Focus de diamant ne joue pas, mais là, ici, là, c'est la Champions League. 1 million, c'est quoi? C'est seulement l'argent pour acheter le pique. Elle est d'abord pure comme le Titangui. Elle a la saveur du cube magie. Ce n'est pas le pep. La croqueuse de diamant, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un vient de nulle part. On a jamais entendu parler d'elle. Elle se met à partager l'argent. Vous bousculez, soit vous bagarrez même pour prendre l'argent. Ça. Non. Moi, je regarde seulement comme ça me dépasse. Ok. Elle a présenté l'école. Oui, c'est déjà quand même une preuve. Mais maman, dont les propriétaires des écoles là, partagent tout l'argent là, comme ça. Là. Bon, on peut aussi comprendre que chacun a son cœur. Peut-être... tu es une femme large et tu attendais quoi depuis? Parce que quand on voit l'école là, c'est pas une école qu'on a conçue l'année passée. Quand on voyait les élèves, Boumaïe, les enseignants, c'est pas un truc de l'année passée ou de l'année surpassée. Ou bien c'est cette année que tu as jugé qu'il fallait partager l'argent, il fallait... Non, si c'est une stratégie, parce que regarde que tu partages l'argent comme ça pour te faire connaître et tout le reste. Si c'est ça, rien que ça... Ça pouvait payer au moins, même l'argent que tu parles, ça pouvait payer hein, le salaire de 10 community managers pour rendre ta page là encore, alors, comme l'avion seulement. Si tel est le cas, parce que chacun dit sa part. Mais quant à nous on continue à. Hein, on t'observe. Juste on dit que tu as raconté où c'est dans ton compte Snap que tu sais quand est-ce tu vas mourir, tu n'as pas peur du poison. Je vais un peu là-bas pour fouiller, pour voir vraiment si l'information est vraiment ça. Non, maman, continue à croquer le diamant, hein. Croque, ça vient beaucoup et tu partages. Quelqu'un vient mettre en commentaire que Franco, tu ne fais que parler de cette dame-là, tu fais la talakou parce que tu veux qu'elle te donne aussi. Tu veux qu'elle donne d'abord. Maman, c'est vrai qu'en réalité, réellement comme ça là, tu ne peux même pas, ça ne peut même pas se faire. Donc si tu dors dans tes rêves, donc ça vient même dans les rêves que tu veux donner 5 francs à Franco, pardon, brûle donc, chasse le rêve là que ça ne passe même jamais dans ta tête. Donc ne rêve même jamais, parce que je ne veux même pas le genre des rêves là. Donc celui qui vient dire que Franco, tu fais les attaques à la coupe, qu'on donne aussi ta part là. Maman, quand quelqu'un te dit qu'il peut avaler une noix de coco, hein, ce qui fait parfaitement confiance à son anus. Moi, je ne peux pas moi avaler la noix de coco. Mon anus n'est pas large, maman. Ça va bloquer dans les intestins. Je ne peux pas avaler le genre de noix là. Tu y as non? S'abonnez-vous, hein, et partagez-moi la vidéo. Je vous l'offre. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.